Le grand Tiroko est tombé. Igwe Okaka, le lion en personne. Pourquoi nous as-tu quittés sans dire au revoir? Le village de Moema ne sera plus jamais le même à nouveau. Pas du tout. C'est incroyable. J'ai vraiment beaucoup de peine à croire que notre roi n'est plus... C'est pourtant vrai. Ce qu'il nous reste à faire, c'est lui donner un enterrement digne de ce nom pour lui rendre un dernier hommage. Nos coutumes et nos traditions demandent que nous l'enterrions les deux prochaines semaines. Maman! Mon fils! Mon fils! Maman! Bonne arrivée, mon merci, fils! Bonne merci, arrivée. Merci! Tu as fait un bon voyage? Maman, j'ai très bien voyagé. Comment vont ceux de la ville? Tu connais la ville, non? Tout va toujours à merveille, hein? Oui! Maman, mais tu es belle. Je suis belle. Comment avoir un enfant comme toi et ne pas être belle? Ah, maman, les flatteries, toi. Mon frère. Je vais bien, non? Ah, ok, ok. Hein. Okay. Merci. Au merci, revoir. Hey. Maman, laisse-moi prendre mon affaire. Hein. Ah. Maman. Je vais bien. Je vais bien. Comment pourrais-je avoir un fils comme toi et ne pas aller bien? Maman, les flatteries, toi. Hein? Non, mais t'es pas croyable. J'espère que tu te régales. Maman, cette sauce, hein? On dirait que tu savais que je venais. Alors, je disais que c'est comme ça qu'on a perdu notre roi. Notre roi, son est bel et bien allé. Que c'est triste. Maman, j'ignore comment va réagir mon ami. Tu sais à quel point il aimait son père. Bien sûr, tout le monde l'aimait. Tout le monde. En parlant de ton ami, quand était la dernière fois que tu as parlé avec lui? Maman, ça fait longtemps. Hein? Y'a... non, ça... ça fait longtemps. Mais pourquoi non? J'ai cru que vous étiez des meilleurs amis. Maman, c'est le cas. Hein? Mais comme je te l'ai dit, j'ai perdu son numéro. C'est ça. Mais je suis certain qu'il viendra au funérailles de son père. D'accord. Mais quoi, maman? Maman! Puisque tu es rentrée sans Amarashi, ta fiancée, j'espère maman, que tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Elle n'est pas là, maman.
Elle est allée à bas voir son oncle. D'accord. Elle va bientôt rentrer. D'accord. Alors, je peux manger maintenant? Allez, tu peux. Tu peux. Tu as dit que tu venais pour une raison. Alors, qu'est-ce que c'est? Maman, j'aimerais lancer mon projet dans ce village. T'ai-je bien entendu? Tu aimerais lancer ton projet dans ce village? Maman, au moins, tu verras les efforts de ton fils. Bien sûr, je sais que tu fais des efforts. Je le sais, ça. Ah, c'est bien, c'est très bien. Au moins, je mange pas ton repas pour rien. Bien sûr que non. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai, s'il te plaît. Dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai appris ce qui s'est passé et je suis venu aussi vite que j'ai pu. Obina, alors papa n'est plus. Dis-moi, s'il te plaît. Vous voulez dire que je ne reverrai plus jamais mon père? C'est si soudain, je ne peux pas, j'aurais dû rentrer. J'aurais dû être ici. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Tinonso. Nonso. Maman. Où est-ce que tu vas? Maman, je vais au palais voir Ikena. Oh, il est de retour. Oui. D'accord. Ewa, passe-lui mes condoléances. Et la reine aussi. Compris, maman. À tout à l'heure. Ok, maman. Okay. Au revoir. Mon pote! Hé! Hey, mec! Regarde-toi, mec. C'est comment? Cool, mec. Mec! Alors, quoi de neuf? Frère, ça fait des lustres. Regarde-toi. Regarde-toi, mec. T'es tout fringué, mon pote. C'est comment, mon vieux? Mais mon frangin, je vais bien. Ton pote est là, mais regarde-toi, mec. Tu es tout beau, mec. Tu es aussi tout beau. Voyons, c'est toi l'Européen, mec. C'est toi l'Européen. Ah bon? Mec, allez, dis, hein. Comment ça va? Je vais bien. Ah, mec. Toutes mes condoléances pour la perte, frère. C'est bon, mec. Dieu sait le pourquoi. Enfin, je crois. Vraiment? Ça va. Maman! Ah, maman est là. Bien tu sûr. Tu es sérieux? Hé, hey, appelle-la. Maman, viens voir qui est là. Hey! Prince Ikeda. Oui, maman. Oh, mon Dieu. Bon d'arriver. Je suis rentré. Comment vas-tu? Ah, mon fils m'a dit qu'il venait au palais. Ah, c'est aussi ce qu'il m'a dit. Alors, maman, qu'est-ce qu'il y a? Dieu merci. Dieu merci. Malgré ce qu'on vit actuellement. C'est vrai. D'accord. Nous sommes tous concernés. Ton père est un homme bien. C'est un grand homme. Il était si pacifique. Il a apporté la paix dans son royaume. Nous ne l'oublierons jamais. Ça, jamais. Dieu sait ce qui est bon. Alors, que puis-je t'offrir? Maman des moments! Maman, c'est un Européen, il ne mange pas tous ces trucs, hein? C'est pas vrai. Je sais qu'il peut non, manger. Non, maman, je n'en doute pas. J'espère que tu t'occupes voyons, bien. Voyons, tu le sais bien. Allons. Allons à l'intérieur, maman. J'ai beaucoup à te dire. Prince Obina, merci pour la cola. Dieu merci. Je suis là pour vous.
J'espère que vous vous préparez pour le trône. Oh. Onowu, on vient d'enterrer mon père. Et vous espérez que je me prépare pour le trône? Oui, vous devriez. Selon notre tradition, une fois que le roi est mis en terre, le fils aîné doit, un mois après, monter sur le trône et avec sa femme comme la reine. Mais si le fils aîné n'a pas de femme, cela prouverait son incapacité à diriger le royaume d'un moment. Alors son frère cadet, s'il a une femme, sera couronné roi du royaume. Non, non, Onowu, c'est ridicule. C'est ainsi qu'a toujours été notre tradition depuis le temps de nos ancêtres. Donc, si vous voulez vraiment devenir le roi de ce grand royaume, vous devez vous trouver une femme d'ici un mois. Makenengwangwa emeranodati. Maintenant que mon père a été enterré, je dois bientôt retourner. Ah, si tôt? Ouais. J'ai vraiment beaucoup de trucs à faire à Londres, tu comprends, alors... Ah, étonnant. Si c'est le cas, je pense que tu devrais me donner ton numéro. Oh, avant que maman ne me tue vraiment cette fois. Cette femme. Tu as mon numéro de l'étranger, n'est-ce pas? Non. Donne-moi celui-là aussi. Ok, tant que je le fasse. C'est ça, tu veux qu'elle me fasse la peau, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce que le Noo a dit? Eh bien, il a dit que je dois trouver une femme en l'espace d'un mois. Avant de me couronner roi, sinon... Je peux oublier le trône en faveur de mon frère s'il en a une. Il a raison. Oh. Eh bien, maman, que suis-je censé faire en un mois? Comment vais-je trouver une épouse en l'espace d'une semaine? Je veux dire, nous savons tous les deux que j'ai très bon goût en matière femme. Fiston, j'ai l'impression que tu sembles oublier quelque chose ici. Et qu'est-ce? T'es un prince couronné. Et n'importe quelle femme de ce royaume serait heureuse d'être ta femme. Eh bien... Oui, c'est vrai. Mais que suis-je censé faire? Voyons, fiston, pourquoi ne pas organiser une compétition de danse et choisir la meilleure parmi les demoiselles? Choisis la meilleure parmi les demoiselles et automatiquement tu auras trouvé une épouse. Quoi? Qu'en penses-tu? Maman, tu sais que t'es un génie, n'est-ce pas? Je veux dire, comment n'y ai-je pas pensé? Waouh! Chef Nedou? Onowu? Merci pour la cola. Mais que nous vaut l'honneur de cette réunion? Onowu? Oui? Mes chers confrères, du royaume d'un Monwa. Je vous ai fait venir ici pour qu'ensemble puissions trouver des moyens et des solutions face à un danger imminent qui est sur le point d'arriver. Vous êtes tous au courant de ma modeste contribution pour le développement de notre grand royaume. Notre roi nous a quittés. Et ce dont notre royaume a besoin maintenant, c'est un homme noble tel que moi pour être couronné comme le prochain roi. Eh bien, mes chers aînés, nous avons une tradition. Et cette tradition dit que seul le prince au trône doit être couronné roi après que le roi soit mort. Dans ce cas, le défunt roi a deux fils et nous devons mettre au trône le prince couronné pour nous représenter et nous diriger. Je dois avouer que Chef Nedou a contribué grandement à l'émergence et au développement de ce royaume. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais ça ne te donne pas le droit d'être couronné comme nouveau roi, peu importe ce que tu as fait pour ce royaume. Allez, ferme ta bouche! J'ai dit la ferme. Mais qu'est-ce qui a invité cet homme à cette réunion? C'est toi. Un simple
cueilleur de vin. N'oublie surtout pas que lorsque tu es venu me voir pour ce vin, tu m'as supplié de prendre part. Alors qu'est-ce que tu racontes là maintenant? N'importe quoi. Honoru, comme je le disais, avant d'être grossièrement interrompu, notre défunt roi, le roi Okaka, a laissé deux fils. Et comme nous le savons tous, manque d'expérience pour gouverner ce royaume. Que savait-il du leadership, de la culture et de la tradition de ce royaume? N'ont-ils pas passé la majeure partie de leur vie à l'étranger pour étudier? Notre royaume a besoin d'un homme dynamique, courageux, d'un homme noble comme moi, pour que nos ennemis tremblent face à nous. Imaginez un peu ce qui arrivera si jamais ces garçons inexpérimentés sont couronnés en tant que roi de ce grand royaume. Alors nous perdrons notre gloire. Tifnedo a raison. Oh, ferme-la. Ferme-la si tu n'as rien à dire. T'es malade? Le malade ici, c'est toi. Vas-tu t'asseoir? C'est ta génération et celle de tes enfants qui est malade. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi? Regarde cette mouche qui se prend pour un oiseau. Moi, chef Anayo, oui. Mouche. Je vous prie d'arrêter, s'il vous plaît. Que la paix règne. Tifnedo. Honoru. Nous t'avons entendu. Nous savons tous combien tu as contribué au développement de cette communauté. Notre tradition dit ceci. Lorsqu'un roi meurt, un mois après l'enterrement, le prince héritier et sa femme doivent être couronnés. Si le prince héritier n'a pas encore de femme et que son petit frère en a une, le petit frère sera couronné comme Igwe. Voilà. C'est ça notre tradition, et tu le sais autant que moi. Nous ne pouvons pas la changer maintenant. Mais dans le cas où le prince héritier et son petit frère n'ont pas du tout de femme, alors nous allons trouver quelqu'un qui est capable de diriger ce royaume. Il doit simplement attendre son tour. Mais pour l'instant, Akamakolia. Okumbororum, Akamborum. Naï, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, c'est ce charlatan-là qui se fait appeler chef Nedo. Il m'a copieusement donné l'injure de ma vie, aujourd'hui. Pour quelle raison, au juste? Il veut saboter le trône. Pourquoi? Selon lui, il mérite bien sûr le trône. Quoi? Il dit qu'il a énormément contribué pour le développement de ce royaume. Par ricochet, on devrait le couronner roi. Et lorsque j'ai osé donner mon point de vue, je lui ai dit que ce n'est vraiment pas juste. Car notre défunt roi a laissé deux fils. Ouais, Kenan. Oui. Par conséquent, c'est de là que doit sortir le prochain roi. Voilà, c'est tout. Il a commencé à m'insulter. En disant toutes sortes de choses. Et qu'en passant, qui m'avait invité à cette réunion? Que je n'étais surtout pas censé prendre part à cette réunion. Parce que je suis un pauvre vigneron, cueilleur de vin blanc. Il t'a dit ça? Puisque je te le dis. Tu aurais vraiment dû voir celui qui soutenait sans rechigner tous ses propos. Ce n'est pas de sa faute. C'est son feu frère aîné qui était vraiment mon égal. Naï, c'est ok. C'est ok. Nedo a osé me traiter de pauvre vigneron. Mais je sais très bien qu'un jour viendra où mon Dieu se souviendra de moi. Je le sais très bien. Il fait iti koligale. Oh. J'en suis sûr. Naï, allons dedans. J'étais préparée au pas. Allons dedans. Mon corps en a vraiment besoin. Où est-ce qu'elle est, Adama? Elle est allée voir Amaka. Ok. Après, je reviendrai finir ça. Je dois mettre nos coconuts entiers. Nos coconuts. Bon. Ok, pour la saison qui arrive.
Salut, mon frère. Salut, mon frère. Quoi de neuf? Comment tu vas? Pas mal. Alors, comment est-ce que tu gères les aînés et le trône? Sincèrement, c'est très stressant. Au moment où nous ensemble, je suis très fatigué. Tu sais, je dois assister aux réunions pratiquement chaque jour. Et le plus important encore, c'est que je dois trouver une femme avant le... Décédé au trône. Ouais, le Seigneur fait ta force, mon frère. Pour ma part, je ne suis pas trop dans ces trucs de la royauté royale, tu vois. C'est trop stressant. En tout cas, as-tu trouvé une épouse? C'est ça le truc, en fait. Mais, maman a fait une suggestion. Ah, ok. Laquelle? Elle m'a demandé d'organiser une compétition de danse parmi les filles. Ouais, de la sorte, je pourrais choisir mon épouse. En fait, ce n'est pas une mauvaise idée quand on y réfléchit. Ça concerne toutes les filles? Ouais, bien sûr. Cool. Ça pourrait marcher. Ouais. Ikena. Qu'en est-il de toi? Quels sont tes projets? Je ne sais pas vraiment. Tu me connais, le Nigeria n'a jamais été mon truc. Je ne sais pas, j'ai pensé à retourner à Londres la semaine prochaine. Alors, mon frère, si tu veux mon avis, tu sais, je pense que tu devrais rester ici. Non, ça ne marchera pas. Je dois rentrer. Je pense que je devrais... Je pense que je dois rentrer. Ces histoires de trône et de roi et tout le reste, je ne veux surtout pas écouter ça, je dois rentrer. D'accord. À fin de compte, la décision te revient. C'est comme tu veux. Mais as-tu parlé à maman de tout ça? Non, mais je le lui dirai ce soir. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu bois? Non, pas pour quoi? Toi. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Trop fort, n'est-ce pas? Que diable c'est que ça? C'est bien dit, t'es conseillé bon, au moins bon. De... Salut, maman. Mon fils. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, et toi? Je vais bien, ça va. J'aimerais te parler de quelque chose. Ok, d'accord. Voici le truc. Je vais retourner à Londres dès la semaine prochaine. Que viens-tu de dire? J'ai dit que je rentrais à Londres. Ah, vas-tu la fermer? Tu n'iras nulle part. Pourquoi, maman? Parce que tu dois rester ici, aider ton frère. Tu dois l'aider à diriger ce royaume. Mais maman, il a son cabinet, les membres du bureau et son personnel. Je sais qu'il a tout un personnel, mais jusque-là, tu dois rester pour ton frère. En fait, c'était le souhait de ton père que tu rentres à la maison. Tu sais que je n'aime pas cet endroit, maman. Je sais, fiston. Voyons. Fiston, il est temps que tu t'habitues à cet endroit. Sais-tu pourquoi tu dois le faire? C'est le chez-toi. Je sais, mais... Oh, voyons, fiston. Tu ne peux pas aller sur une nouvelle terre chercher du confort. Ici, c'est chez-toi. Apprends à rester là. Allez, reste à la maison pour ta maman. Ok, c'est bon. Comment vais-je refuser lorsque tu te comportes ainsi? Merci. Ma mère ne veut pas me laisser partir. Elle voudrait que je reste pour aider mon frère avec le trône et le business et tout ça. Elle m'a aussi dit que le dernier souhait de mon père était que je rentre à la maison. Mais c'est la meilleure chose à faire, mec. D'ailleurs, le village n'est pas si mal. Et si tous les jeunes décidaient de partir du village, qui resterait ici, mec? Regardez qui parle, comme si tu vivais au village. Voyons, mec, mais voyons, je ne suis pas si loin. Je ne suis qu'ici à Port-à-Rose. Je pars et je reviens de temps en temps. Je suis certain que si ce n'était pas la mort de ton père, tu n'aurais pas mis ton nez dans ce village. Mais voyons, mais tu sais que dis-moi, c'est faux. Quelle était la dernière fois que tu t'es pointé dans ce village? Attends, je crois que c'était il y a... J'oublie un peu. Ah, tu vois, tu ne t'en souviens même pas. Je suis sûr que ça fait plus de 10 ans. Ah, Nonso. Ouais. Pas jusqu'à 10 ans. Mais non, ça fait environ 8 à 9 ans, je crois. Et quelle est la différence? 9 ans, quelle est la différence? Il y a une différence. Écoute, je suis certain que si ce n'était pas la mort de ton père, on ne t'aurait jamais vu dans ce village. Ou même s'il arrivait que tu viennes, tu serais venu après 25 ans. Qu'est-ce qui t'amuse? Tu sais que je dis la vérité. Tu n'es pas sérieux. Ouais. Pourquoi resterais-je loin de chez moi pendant 25 ans? Tu nous l'as prouvé. Voyons. Tu sais, il ne se passe rien ici. Tu dois sortir, prendre des trucs et revenir.
C'est pas comme si on distribuait du fric au village. Tu restais dans ton propre village, mais voyons. Franchement, il n'y a rien d'intéressant ici. Salut, maman. Fiston, pourquoi es-tu vêtu de la sorte? Pourquoi ne portes-tu pas tes vêtements royaux? Maman, j'aimerais juste prendre de l'air autour du royaume. Et pour les vêtements, tu sais bien que ce n'est pas mon truc. Fiston, tu es un prince. Et il est grand temps que tu commences à te comporter comme tel. Ok? D'accord, c'est bon, c'est compris. Je peux y aller maintenant? Oui, tu peux. Ok, t'es la meilleure. On se revoit au retour, ok? D'accord, sois prudent. Ok, d'accord, bye. Bye. Bonjour, mon prince. Ouais, et Boubé, comment tu vas? Bien, mon prince. Mon prince, est-ce que vous sortez? Ouais, je sors tout de suite. D'accord, mon prince, je vais chercher la voiture pour vous conduire. Non, ce n'est pas nécessaire. J'aimerais juste faire un tour dans le royaume. Dans ce cas, je dois vous garder. Non, j'aimerais juste être seul. C'est bon, d'accord? Mon prince, vous avez besoin de protection. Me protéger de quoi, exactement? Écoute, je comprends, je sais que tu ne fais que ton job, mais ça va, je t'assure. Je veux marcher un peu, je ne serai pas long, ok? D'accord, mon prince. Mec. Ouais, ouvre le portail, je vais... Mon prince. Pourquoi ne l'as-tu pas escorté? Le prince a insisté d'aller seul. Il dit qu'il n'en a pas pour longtemps. Juste faire des tours dans le royaume. Je l'aime bien. Il est très humble, c'est un homme indulgent. Il ne laisse aucunement son titre lui monter à la tête. Qu'est-ce que tu attends de plus d'un homme qui a vécu à Londres? Un pays des Blancs. Tu sais, le prince n'a absolument aucune idée à propos de nos traditions. Ok, je retourne à mon poste. Ouais, je ferais mieux d'y retourner. D'accord. Merveilleuse.
vraiment désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Je dois vous avouer que vous avez une voix d'ange. Merci. Je vous en prie. Alors dites-moi, que fait un aussi bel ange dans cette zone solitaire, toute seule? Je viens ici chaque fois que j'ai envie de chanter ou de parler aux oiseaux. Waouh, c'est trop mignon. Alors, je peux rester avec vous, si ça ne vous dérange pas. Désolé, mes parents doivent être en train de me chercher. Alors, je dois y aller. Je comprends. Elle est tellement parfaite. Putain. Waouh. Ok. Maman? Maman, devine quoi? Devine, allez! Quoi? Tu sais très bien que je suis pas douée pour ça. Ok, d'accord, je vais te le dire. Ok. Maman, j'ai rencontré la plus belle femme du monde aujourd'hui. Vraiment? Je suis sérieux, maman. Maman, tu aurais dû voir cette fille. Elle est... à couper le souffle. Vraiment? Mm-hmm. Alors, quel est le nom de cette... Ouais, en fait, j'ignore encore cette partie, mais ça n'a pas d'importance, je l'aime beaucoup. Ok, de quelle famille est-ce qu'elle vient? Maman, je ne sais rien de cette fille, hormis le fait que je l'aime beaucoup. Voyons, fiston, tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un dont tu ne sais rien à propos. Comment? Ça vient de m'arriver, on appelle ça l'amour au premier regard. C'est réel, je t'assure. Tu ne peux pas être sérieux. C'est pas une blague avec cette fille. Je l'aime vraiment. Je vois que cette femme te fait chavirer. Tu n'as vraiment pas idée. Elle est la raison pour laquelle j'accepterai de rester dans ce royaume. J'ai hâte de faire d'elle mon épouse. Ton épouse? Ouais. Maman, je ne rigole pas. Ce garçon est amoureux. Maman? Je peux le voir. Je te ramènerai une épouse très bientôt. Sois Crois-moi. Prudent. D'accord. Ah ça? Pourquoi tu me regardes comme ça, non hein? Donc, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ça. Salut. 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 Hey, mec. Bonjour, mec. Ikena. T'es là, mec? Ouais. Tu m'as l'air de quelqu'un qui a gagné au loto. Tu peux le dire, mon frère. Comment tu sais que j'étais ici? Ta mère m'a dit où te trouver. En passant, je te présente ma fiancée, hein? Amarachi. Oh, enchanté. Ouais. Amarachi, ouais. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi, Prince Ikena. Nonso m'a tellement parlé de toi. Oh, vraiment? Oui, bien J'espère sûr. Être en sécurité, j'ai pas confiance en lui. Crois-moi, tu n'as rien à craindre. Ok. Bon, oui. Allez, dis-moi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Nonso, j'ai rencontré un ange. Je le savais. À l'instant où j'ai vu ce regard, j'ai su qu'il s'agissait d'une femme. Alors, qui est-ce? En fait, ça, actuellement, je ne sais pas. Où est-ce que tu l'as vu? Dans la forêt. Je prenais des photos et je l'ai vue, elle chantait quelque part et puis... Hey. Qu'est-ce qui t'a mis l'idée? Oui. Mon pote a vu Mami Wata. Non, je suis... Non, voyons. Oh, elle était juste quelque part dans la forêt en train de chanter. C'était féerique. Mais mec, tu ris de quoi? C'est une sorcière que tu as vue. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Mm-hmm. Ouais. Mon pote. J'ai besoin de ton aide pour la retrouver. T'as besoin de mon aide pour retrouver une sorcière? Mais Nonso, arrête. Je suis sérieux. Cesse de faire cette blague. Écoute, tu connais ce village mieux que moi. Non, je ne connais pas ce village. Mais Nonso, voyons. Non, je suis sérieux. Ne fais pas attention à lui, d'accord? Juste, décris-la moi. Et je verrai ce que je peux faire. Sérieux? Oui. Et puis, pourquoi l'encourages-tu? Que veux-tu que je fasse? T'es un amour. Ok, voilà. Oui. Elle est brune. Mm-hmm. Genre vraiment très brune. Mm-hmm. Une taille moyenne, tu vois. Salut. Salut. Je m'appelle Ikena. M'espionnez-vous? Laissez-moi d'abord vous aider avec ça. J'aimerais vous parler. Ok. En fait, je ne vous espionnais pas. C'est une pure coïncidence de vous retrouver ici.
Vous savez que c'est un mensonge. Ce n'est pas une simple coïncidence. Dites-moi, que voulez-vous? Ok, d'accord. J'aimerais vraiment être votre ami. Ma mère a dit qu'un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oh, waouh. Elle a tout à fait raison par rapport à ça. Elle doit être une femme très sage. Mais le truc, c'est que je n'ai pas de mauvaises intentions. En fait, j'aimerais voir ta mère. Pourquoi faire? Afin de lui dire que je vais être ton ami et que je suis inoffensif. Ok. Allons-y. Ok. Wow, non. Tu n'as pas... Ce n'est pas correct pour un gentleman de laisser une femme porter un truc lourd. Je vais le faire, ok? Oui. Maman. Bonjour, maman. Nam. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Merci. Attention, doucement. Je vais bien, maman. Merci. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ikena. Je suis de ce village. Oui, maman. C'est pas vrai. Qui est-ce que nous avons, nous, là? Bonjour, monsieur. Bonjour, prince Ikena. Que m'ouvre l'honneur de votre visite? En fait, je suis venu voir votre fille. Dans ce cas, permettez-moi de vous apporter ce bon vin de palme que j'ai personnellement recueilli. D'accord, monsieur, ce serait un plaisir. J'arrive. Merci. S'il te plaît, je peux te voir une minute? Bien sûr. Excusez-moi une minute. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu es un prince? Oh, voyons, je n'ai pas trouvé ça important. Oh, vraiment? Oui. Écoute, sais-tu dans quel pétrin tu m'aurais mis si quelqu'un t'avait vu m'aider avec mon bidon d'eau? Voyons, Adama, ce n'est pas aussi sérieux. Je suis sûre que ça l'est. Écoute, dans ce royaume, nous avons beaucoup de respect pour la royauté. Ok. Je suis désolé. J'imagine que je ne sais pas grand-chose en ce qui concerne la tradition, la norme et tout ça, vu que j'ai passé toute ma vie à Londres. Je suis vraiment désolé, aussi que je ne suis pas l'héritier au trône. Parfois, j'oublie même que je suis un prince. Je suis désolé. Dieu merci, personne ne nous a vus. Je promets qu'il ne t'arrivera rien. Tu as ma parole. Alors, j'aimerais t'inviter au palais demain. Ne dis pas non, s'il te plaît. Ne dis pas non. Seulement si mes parents donnent leur consentement. Ok, dans ce cas, je vais leur parler. Ok. D'accord. Waouh. Je dois l'avouer, c'est vraiment le meilleur vin de palme. Il est vraiment bon. C'est bon de vous entendre dire ça. Parce que, croyez-moi, lorsqu'il s'agit bien entendu de... vin de palme, je suis bien évidemment le meilleur dans ce royaume. Je n'en doute pas. Je peux le témoigner. C'est vraiment délicieux. Monsieur, j'espère que... ça ne vous dérange pas que je sois l'ami de votre fille. Honnêtement, je vis en paix. Eh bien, si c'est bel et bien le cas, et si vous avez bien sûr de bonnes intentions, oui, vous pouvez l'avoir comme ami. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Et autre chose, peut-elle venir au palais demain? Bien sûr que oui. Merci, monsieur. J'apprécie beaucoup. Je vous en prie. Ça, c'est pour moi. Est-ce que vous aimez? Oui, je l'adore. Entrez. Prenez place. Je vais appeler le prince Ikena. Sentez-vous à l'aise. Entrez. Bonjour, mon prince. Ouais, comment tu vas? Très bien, mon prince.
Il y a une femme qui demande après vous. Oh, ça doit être Adama. Ok, mettez-la à l'aise, d'accord? Ok. Je vais prendre un bain et puis je descends. D'accord, mon prince. Ouais. Je vais faire comme vous avez dit. Kenna m'a demandé de vous apporter une boisson. Il sera là dans un instant. Merci beaucoup. Sentez-vous à l'aise. Oh. C'est la femme parfaite dont je cherchais. Elle est tellement belle. Elle ferait une bonne reine à mes côtés. Je vous salue, mon prince. Salut, jolie demoiselle. Comment vas-tu? Je vais bien. S'il te plaît, assieds-toi. Qu'est-ce qui t'amène au palais? Je suis venue voir le prince Ikenna. Ah, le prince Ikenna. Quelle est ta relation avec le prince Ikenna? C'est mon ami. Oh, juste un ami? Vous êtes juste des amis? Oui. C'est bon à savoir. Alors, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Adam. Adam. Tu es vraiment Adam. Es-tu de ce royaume? Oui, je le suis. C'est qui ton père? Mon père, c'est Mazinduka, le fameux cueilleur de vin. Mazinduka, tu sais, je pense que ton père a le meilleur vin de palme. C'est ce que disent les gens. Mais pour moi, je trouve tous les vins de palme bons. Non, je ne suis pas d'accord. Je te garantis que celui de ton père est le meilleur que j'ai jamais goûté de toute ma vie. Merci. Adam. Tu sais, j'étais observé là pendant un bon moment. Et je sais que tu seras la reine parfaite pour moi. Que viens-tu de dire? Oh, petit frère, comment tu vas? Donc je parlais à ton ami et je lui disais qu'elle ferait une très bonne reine. Une reine? Obina, tu as perdu la tête? C'est quoi cette question absurde? Comment peux-tu demander en mariage une personne que je ramène à la maison? Tu ferais mieux te calmer, je lui ai demandé, elle m'a dit que vous n'avez rien en commun. Épargne-moi de ces bêtises. Hmm? Tu n'es pas un gamin. Tu sais que ce ne sont que des petits pas avant d'avouer tes sentiments. De quoi parles-tu? Oh, des petits pas. Pas étonnant que tu sois encore un gamin, parce que si t'étais un adulte, tu aurais eu plus de grands. Mais tu ne l'as pas fait, moi, si t'es là à me raconter tes conneries, t'as perdu la tête? Ça te donnerait vraiment une leçon, ok? Si tu veux quelque chose, fonce immédiatement. Le retard est très dangereux. Arrête de faire l'idiot. Qui est ta femme? Comment oses-tu traiter l'héritier du trône d'Omoma? T'as perdu la tête? Tu délires? L'héritier au trône? Écoute, je m'en fous de qui tu es. Reste juste quelqu'un loin. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tout ce bruit? Longue vie à la reine. Sois honoré. Assieds-toi. Maman? Oui? Voici la femme dont je t'ai parlé. Vraiment? Elle est vraiment très belle. J'ignore ce qu'elle t'a dit, mère. Mais dorénavant, cette femme que voici est à moi. Je viens lui faire la demande. Tu vois ce que je disais? S'il te plaît, dis à Obina d'arrêter de l'appeler sa femme. Je viens juste de la ramener. Ils ne se connaissent même pas. De quoi est-ce qu'il parle? As-tu perdu la tête, petit frère? Je viens demander la main de cette fille, je veux dire, tu peux la tester. Je te préviens, tu ferais mieux de rester loin de ma femme, Obina. Écoute, en tant que l'héritier du royaume d'Omoma, j'ai le droit de décider, de choisir n'importe quelle femme à faire d'elle ma reine. Pas question, Obina, cela n'arrivera jamais. Pas cette fois. Je peux voir que cette barbe te trempe, c'est évident. Je vais te battre. Tu vas rien faire, mec. Oh, taisez-vous. Mais maman, où est-elle? Elle est partie parce qu'elle n'a pas pu supporter la honte que vous dégagez en sa présence.
Tu vois, c'est de ta faute. Non, c'est de ta faute à toi. J'ai dit de la fermer. N'avez-vous pas honte? Vous voulez vous entretuer à cause d'une femme? Mais maman, je l'ai vu le premier. J'ai dit de la fermer. Vous n'avez aucun scrupule. Et votre père doit se retourner dans sa tombe en ce moment. Dis Allah. Maman, je... Tu vois ce que t'as fait? Ma sœur. Tu peux le croire? Deux hommes sont en train de se battre pour Adama actuellement. Et ça, sans aucune honte. Pourquoi? Mais je croyais que le prince Ikena l'avait fait venir comme invité. Oui, bien sûr. Mais Prince Obinna a été le premier à lui faire sa demande. Et c'est après qu'il ait fait sa demande que les problèmes ont commencé avec Prince Ikena. Qu'en est-il de la fille en question? Ma chère sœur. Elle n'a pas pu supporter de les voir se battre. Elle s'est enfuie. La pauvre fille. Mais la reine est en train d'essayer de calmer la situation actuellement. Je me demande ce que la reine peut ressentir maintenant. Les deux fils se battent pour une même fille. Ma sœur, je t'assure. Il faut que j'aille finir de faire la cuisine. Moi aussi. Obidio. Je n'ai rien dit. Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas où. Laisse-moi aller la voir. Adama. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé? T'ont-ils embarrassé au palais? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, les deux princes ont demandé ma main. Ça veut dire quoi, les deux princes ont demandé ta main? Maman, ils ont littéralement voulu se déchirer en présence de la reine, à cause de moi. Et que comptes-tu faire? Maman, je ne sais pas. Je suis confuse. C'est ok. Juste calme-toi. Calme-toi. Maman, au cas où l'un des deux viendrait me voir, dis-leur que je ne suis pas là. Je ne veux voir personne d'entre eux pour le moment. Je t'en prie. Ok, j'ai compris. Juste calme-toi. Hé. Naï, qu'est-ce qui se passe? Tu ne le croiras pas. Elle dit que les deux princes ont demandé sa main. Au même moment? Non. Qui est là? Bonjour, monsieur. Mon prince. Oui, monsieur. Bienvenue. Merci, maman. Je suis là pour voir Adama. Adama ne veut voir personne pour l'instant. Ok, je comprends. Dites-lui que je suis passé la voir, s'il vous plaît. Je le ferai. Ok, merci, monsieur. Mon prince, comment bon après-midi. Je vais bien, mon prince. Au revoir, monsieur. Bye. Comment vas-tu? Amaka Kedo, comment va ta mère? Elle va bien. Adama est là? Oui, elle est là derrière. Ok, je vais la rejoindre. Donc, c'est ça? Simultanément. Tout ceci en même temps. Né, je viens de voir le prince sortir d'ici. Je veux tous les détails. Amaka, c'était une catastrophe. Vraiment? Ma chère, je suis allée au palais voir Prince Ikena. Et quand j'attendais le Prince Ikena, le prince couronné Obinna est sorti de nulle part. Et m'a demandé d'être sa reine. Prince Ikena l'a entendu. Et il n'a pas trouvé ça drôle du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont littéralement déchirés en la présence de la reine, juste à cause de moi. C'est très inquiétant, vu qu'il ne t'a jamais demandé de sortir avec lui. Oui. Mais d'après lui, il était sur le point de le faire. Et je crois que je l'aime bien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis confuse. Je ne sais pas. Quand ton histoire là se complique de jour en jour. Deux princes luttent à cause de toi. Hey! Adama, la superstar. Hey! Peux-tu croire que je ramène une fille à la maison et mon frère sort de nulle part lui demander sa main? Genre, demander sa main, tu vois. Demander sa main.
Mais qui diable fait ça? Mais comment peut-il faire une chose pareille? Il a dit, entre guillemets, que j'ai demandé à la fille si elle sort avec Ikena et elle a dit non, que nous sommes juste amis. Et c'est tout. Ensuite, il lui a fait sa démonte. Qui ignore qu'il faut côtoyer une fille avant de lui avouer ses sentiments? Ça ne se fait pas. Est-ce que cela a un sens pour toi? C'est raisonnable? Attends. Et la fille en question, hein? Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait? Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle a pris peur et elle est partie du palais. Je te jure, Nonso, si je perds cette fille, à cause de mon frère, je lui donnerai une leçon que personne ne me croira capable de ça. Je sais que t'as raison. T'as vu cette fille? Tu l'as menée au palais. Donc ton frère doit faire ce qui est juste en la laissant partir. Merci. Mais vous devez résoudre cela à l'amiable. Comme une famille. C'est ça. Je ferai de mon mieux. C'est obligé. Et toi, pourquoi ne m'offres-tu pas autre chose que de la bière? Il n'y a pas de la viande. Alors c'est ça ton problème? Oui. De la viande brosse. Je veux de la viande. Tu veux de la viande? De la viande, oui. Ok, allons te chercher de la viande brosse. Hein? On va où? Allons, mais allons-y, tu veux de la viande brosse? Oui. Allons faire un tour. Je savais que j'allais te trouver ici. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu m'aimes? Adama, c'est parce que j'avais tellement peur. Je veux dire, j'ai cru que si je te disais exactement ce que je ressens, tu ne voudrais plus me voir. Alors j'ai décidé d'être ton ami pour te prouver ma sincérité. Je suis désolé. Ma puce, je suis tombé amoureux de toi la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi. Et je suis tellement dingue de toi. Je suis désolée. On ne peut pas faire ça. Pourquoi, mon amour? Parce que je suis vierge. Écoute, je te promets de ne jamais te faire l'amour ici. Alors tu n'as absolument rien à craindre, d'accord? J'embrasse simplement mon bébé. Relax. Je suis contente qu'on s'entende. Moi aussi. Je t'aime vraiment beaucoup. Et je t'aime aussi. Oh. Viens là. Amaka, devine quoi? Quoi? Sais-tu qu'aujourd'hui je suis tellement heureuse? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai embrassé le prince Ikena. Tu es sérieuse? Je veux dire, c'était si bon. C'était comme si j'étais au paradis. Qu'est-ce qui t'arrive même? Il t'a juste embrassé, tu te comportes déjà bizarrement. Écoute, ce n'était pas juste une embrassade. C'était comment? C'était tellement spécial. Seigneur. Honnêtement, j'ai hâte d'être sa femme. Mon amie amoureuse, oh! En tout cas, félicitations, je suis contente pour toi. Merci. La future princesse. Tu sais, c'est mon prince charmant. Il a tout ce que je recherche chez un homme. J'ai compris, pardon, laisse comme ça, hein? Tu es en train de me mettre mal à l'aise, tu me rends jalouse, hein? Jalouse? Hein? Amaka, qu'est-ce que tu racontes? Et comment est-ce que tu vas faire avec Prince Obina? Bien, je ne sais pas. Écoute, il m'a l'air d'être un homme bien et je l'apprécie. Mais j'ai choisi Prince Ikena. Alors, il doit aller chercher sa propre épouse. En tout cas, Prince Obina est aussi un très bel homme. Peut-être qu'il pourrait t'épouser. Tu n'es pas sérieuse. Seigneur, je l'aime déjà. Je l'aime bien. D'où crois-tu venir comme ça? Bah, si tu veux vraiment savoir, je reviens juste de chez ma belle famille et devine quoi? Nous avons eu notre premier baiser. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire? Bah, tu sais, lorsque deux lèvres se rencontrent et puis... Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça! Tu crois que je rigole? Hein? Tu crois que je rigole? Tu crois que je plaisante? Attends, tiens-moi! Et que font-ils?
et vous les regardez. Allez, laissez parler. Tu crois que je rigole ? Aussi sort. Que sont-ils en train de faire ? Tu crois que je plaisante ? Que font-ils ? Hein ? Arrêtez-moi ça. J'aurais souhaité que votre père soit en vie pour voir que ces deux fils se battent pour une femme. Tu me prends pour ton copain ? Mon prince, non, mon prince. Tu me prends pour ton petit ami ? Maintenant, vous deux, vous allez entrer. Maman, c'est ton jour de chance. Allez, va à l'intérieur. Je jure que je vais te tuer. Amène-le dedans. Tu ne vas rien faire. Avance. Allez, va dedans. Non, mon prince, non, mon prince, non, mon prince. Je me demande comment deux frères qui s'aimaient se font la bagarre à présent. Comment veut-il s'encrocher à cause d'une femme? Écoute, laisse-moi te dire. Le prince Ikena s'est tout seul mis dans les problèmes. Dis-moi, était-il nécessaire qu'il dise à son frère qu'il a embrassé Adama? Très bien que son frère serait jaloux s'il apprenait ça. Croyez-moi, les gars, s'il continue ainsi, la reine risque d'avoir une attaque cardiaque. Ce sera une grande honte pour leur père. Je me demande bien ce qui se passe dans la tête d'Obina en ce moment. La pression de se marier dans moins d'un mois. Essaie de perdre le trône au détriment de son frère. Je ne crois pas. Parce que le prince Ikana n'est pas intéressé par le trône. On ne sait jamais, les gars. Un truc peut appeler un autre. Il faut juste attendre. Croisons les doigts et on verra. Retournons à nos postes. Toi, va au portail. Toi, viens, suis-moi. Adama Biama. Dilik Mamo. Efemi Vao. Hey! 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 Regarde tout ceci. Tout ceci pour nous. Hey! Hey. Plus vite, dépêchez-vous avec les ignames. Oui, Mazienduka, ce n'est que le début. Tout mais... ceci pour nous. Ouais, tout ça et il y en aura plus. Incroyable. Mazenduka. Oui. Comment vous sentirez-vous si vous devenez le père de la reine du royaume d'Awoma? Êtes-vous en train de me poser la question? Je serais vraiment très ravi. Quand est-ce que cela arrivera? Je suis très impatient. Vous êtes un homme très sage, Mazenduka. Vous savez que je serai couronné le roi dans 3 semaines. Et j'aimerais qu'Adama soit ma reine. Hey! Hein? Oh, 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 hein? Hein? Non. Oui. Ok. Après tout ça, viendra bien plus de choses. Je suis vraiment très impatient. Naï. Hein? Hey! Korya, le Korya d'Emma. Merci infiniment. Oui, voilà, Mazenduka. J'aimerais que vous l'utilisiez pour prendre soin de vous et aussi de ma jolie reine. Ok. Merci infiniment, mon prince. On devrait peut-être vous appeler mon gendre. Comment est-ce que. Je dois y aller maintenant. Je dois y aller. Je le lui dirai. D'accord, Mazé. Hey. Au revoir. Merci d'être venu. Oh. D'accord. Ah. Ouais. Bye. Au revoir. Qu'il vous conduise prudemment. Ngwa, laissez-la. Hein? Hein? Où ça tu vas, bébé? Hein? Hein? Bye. Hey. Ayo, je vais aller quoi? Oh, Niawa. Non, quoi? Papa, tu ferais mieux de retourner tous ces cadeaux. Papa, j'ai choisi Prince Ikena. Je ne veux pas épouser Prince Obinao. Tu veux bien la fermer? Amawa et Biginé Tafo. Que sais-tu de l'amour? Hein? Tu jacasses, Ngozi.
Parle à ta fille. Parle à ta fille parce que moi j'ai pris une décision. Adam, ton père a raison. Pense à tout le respect et la considération qu'on aura dans ce royaume quand tu deviendras reine. Donc comme ça, il s'agit de votre propre intérêt. Et ferme-la, ferme-la. Ferme-la maintenant. Tu n'as donc plus aucune crainte. Hey, j'ai déjà pris ma décision finale et elle devra rester ainsi. Papa, je n'épouserai pas le prince Obina. Je ne l'épouserai pas. Hey. Je n'épouserai plus aucun prince. Tu l'épouseras et ce sera ainsi parce que je l'ai décidé. Et nous si Aniago. Oh. Tu peux le croire. Amaka, je ne comprends juste pas. Je ne sais pas pourquoi ils m'obligent à épouser le prince Obina. Juste à cause de leur intérêt personnel. Mais je sais bien que tout ce qui intéresse tes parents, c'est ton bonheur. Et c'est normal. Eh bien, s'ils voulaient le meilleur pour moi, ils m'auraient laissé suivre mon cœur. Calme-toi d'abord. Hein? Essaye de réfléchir. Pense-y, et puis... oublie l'amour. As-tu une idée de ce que tu pourras gagner si tu deviens la reine? Toi aussi. Mais tu sais bien que ce que je te dis est vrai. Hein? Personne d'autre ne va te dire la vérité à part moi. Mais Amaka, tu sais que j'aime le prince Ikena. Tu sais que je l'aime plus. Il y a des moments où l'amour seul ne suffit pas. Et tu le sais. Entrez. Oh, bonjour maman. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, et toi, maman? Je vais bien, fiston. Je suis venue te dire que le dîner sera prêt vers 19h ce soir. Maman, je ne suis pas intéressée. Je ne peux pas m'asseoir dans la même table avec un traître. Oh, allez, arrête de traiter ton frère de traître. C'est ton frère. Le dîner sera prêt à 19h et j'insiste que tu sois sur cette table vers 19h. Assez de tout ça, s'il te plaît. Je vous salue, mon prince. Adama, comment tu vas? Je vais bien, merci. Où va la future reine du royaume de Moma avec un bidon sous ce soleil ardent? Premièrement, je ne suis pas la future reine du royaume d'Amoma. Et je vais à la rivière recueillir de l'eau pour ma mère. Tu es la future reine de ce grand royaume. Parce que je t'aime énormément. Et tes parents m'ont donné leur bénédiction. Donc il est grand temps que tu commences à agir comme une reine que tu es. Ok? Si ça te dérange pas, entre dans la voiture que je te dépose. Mais je dois encore recueillir de l'eau pour ma mère. C'est bon, mes gardes le feront. Garde, vous pourriez prendre... Prenez le bidon et mettez-le dans la malle. Et faites l'entrée. D'accord, mon prince. Dépêchez-vous. Thank you.
Hey, bonne arrivée, mon chantre. Maman. Hein? Hey, Ngwa. Maman. Eh, oh. Maman, je suis pas content. A-t-elle fait quelque chose de mal? Non, non, il s'agit pas d'elle, il s'agit de toi. Moi. Maman, comment peux-tu envoyer la future reine du royaume d'Amwoma puiser de l'eau? Comment? Hey, mon prince, je suis désolée. C'est juste qu'on n'avait pas de l'eau dans la maison. Et je dois préparer. Je l'ai donc envoyé puiser un peu. Mais t'aurais pu me dire. T'aurais pu me le dire. Voilà ce que je vais faire. Je trouverai des gens pour vous installer un robinet. Hein? Oui. Hey! Merci, oh. Merci, mon prince. Et dorénavant, je ne veux plus qu'elle fasse de tâches ménagères. Entre-temps, mes gardes les feront. D'accord? Hey! Et notre quoi, non? Hey! Vous êtes simplement le meilleur gendre. Vous êtes si... Hey! Utilisez ça pour prendre soin de vous. Et de ma future reine. Hey, vous êtes le meilleur beau-fils. Merci beaucoup. Hey. Les gardes viendront puiser de l'eau plus tard, ok? Ok. Très bien. Hey, merci, hein? Je t'en prie. Hey! Timo! Hey! Mon beau-fils! Hey! Oh, gaga! Hey, oh. Tu vois? Je t'ai dit. Il ne fera pas seulement un bon roi, il fera également un bon gendre. Hey! Je ne peux pas l'épouser. C'est le prince Ikena que j'aime, maman. Prince Ikena, est-ce le prince couronné? Reviens ici! Reviens ici! Prince Ikena est-il le prince couronné? Bien sûr que tu n'as pas de réponse à ça. Regarde cette fille, oh. Peux-tu imaginer le nombre de filles qui donneraient n'importe quoi pour qu'elles puissent être à ta place? Combien de filles ici dans ce village voudraient être à ta place? Okwemoanya, regarde, je dois être la mère de la reine. Je dois être la mère de la reine du royaume d'Amoya. Que tu le veuilles ou pas. Regarde-moi cette fille. Hé, hé, kéké, hé, hum? Hé, mba, ah, tu n'as aucun choix, tu vas l'épouser. Hé! Hey. Bonjour, mon prince. Amaka, comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu dois être surprise que je connaisse ton nom. Et je sais également que t'es la meilleure amie d'Adama. Mais Amaka, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Laquelle? Tout ce que vous voulez, mon prince. J'aimerais que tu convainques Adama d'être la reine du royaume d'Awoma, d'être ma reine à moi. Si tu parviens à le faire, je te promets que tu ne manqueras de rien dans ce royaume. Merci beaucoup, mon prince. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'Adam accepte votre demande. Très bien, très bien. Tu peux avoir ça. Alors voici une petite somme et j'aimerais que tu l'utilises pour t'acheter quelques trucs. Oh, mon prince, oh, tout cet argent pour moi. Merci beaucoup. Adam doit vous épouser. C'est bon. Merci, mon prince. On y va. Adam doit l'épouser. Hey! Tout cet argent pour moi. Hey! Hey! L'argent. Eh oh! Papa. Oui? J'aime vraiment beaucoup votre fille. Et j'aimerais l'épouser. Pas de soucis, mais... Vous pouvez le voir. Notre fille est encore vraiment très jeune. Et nous aimerions qu'elle ait son diplôme. Oui, avant de l'envoyer en mariage. Elle doit terminer ses études. Donc ils veulent qu'Adama finisse ses études avant de se marier. Cela va obliger Obina à trouver une autre femme. Parce qu'il ne peut pas attendre 4 ans. Et comme ça, enfin, je pourrai avoir Adama pour moi tout seul. Ok,
C'est une très bonne idée, monsieur. En fait, j'aimerais prendre la responsabilité de son école sur moi et tout le reste. C'est ok, c'est d'accord. Merci infiniment. Ok, et pour ce fait, si vous avez besoin d'un quelconque soutien, surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Hey. Moi, juste savoir. Hey, oui, c'est ça. Quoi. Ok. Hey. Je voudrais vraiment m'occuper de votre fille. C'est vraiment gentil. Merci encore pour votre compréhension, hein. Ok, je dois y aller maintenant, monsieur. Ok. Hein? Merci, maman. Badonna. Merci pour votre compréhension. Hey. Oh, au revoir. Bon, d'accord. Donc, pense-t-il qu'on peut lui laisser épouser notre fille quand le prince couronné au Bina est là? Il ne sait pas de quoi il parle. Hey! En passant, en arabe ici. Djebualo Toulé, Adjou, Mbano. Djonoumo. Hein? Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que vous faites n'est pas du tout juste. Regardez comment vous l'avez trompé. Que vous voulez que j'obtienne mon diplôme? Alors que vous voulez que j'épouse son frère. Tais-toi. Assez. Laisse-moi juste te poser une question. Est-ce que la vie a été juste envers moi? Réponds-moi, allez. Hein? Parce que si seulement tu réfléchissais juste un peu, tu allais te rendre compte que ceci est une opportunité unique pour moi de revenir à la vie. Hein? Pour être restauré. La fierté de cette famille, hey. Voici une bonne opportunité. Hein? Au détriment de mon propre bonheur. Quel bonheur? Qu'est-ce qui te fait croire que le prince Obina ne prendra pas soin de toi? Oh. Ne sais-tu pas qu'il t'aime et c'est pour cette raison qu'il t'a choisi parmi tant de filles dans ce village? Oh, t'as quoi? Mais j'aime prince Ikena. Je l'aime. Tu apprendras à aimer le prince Obina. Ikabo, on n'a pas le temps à perdre avec ça. Adama, tu épouseras. Obina, papa, voilà. Papa, je n'épouserai pas Obina. Allez, ferme-moi ta gueule. Onye Kounou. Voilà une opportunité en or et elle se comporte toujours comme une gamine. Nenou quoi? Onye Alate. Ocho not bo aninyo ane. Tu peux le croire. Mbano. Vouloir nous empêcher. Dike, sais-tu que le prince Obina fait tout son possible pour gagner le cœur d'Adama? Devine la somme d'argent qu'il a offert à la mère d'Adama, juste pour gagner son soutien. Je te dis, il a également promis d'ouvrir un forage chez eux, afin qu'il vraiment puisse puiser de l'eau dehors. Vraiment, c'est une bonne idée. Et pourquoi tu dis ça? Parce que ça ne sera plus à nous de leur puiser de l'eau, ou même de faire leurs tâches domestiques. Oui, tu m'as fait un point. Ah, tout mon corps me fait mal. Ah! Odou, ce petit travail qu'on fait chez Adama t'a transformé en un bon petit paresseux? Qu'est-ce que tu appelles petit boulot? On remplit tous leurs bassines d'eau et on fend le bois. Tu appelles ça petit travail? Qu'est-ce qui est drôle dans ça? Hey, ok, pas de soucis, j'ai compris. Ce n'est pas drôle. Odo, je pense que le prince Obina aime beaucoup Adama. Je ne l'avais jamais vu se battre autant pour quelque chose dans sa vie. Vraiment? Oui. Qu'en est-il du prince Ikena? Veux-tu insinuer que son amour pour Adama n'est pas authentique?
Mais, maman. Bonjour, maman. Hey, bonjour, prince. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis là pour voir Adama. Adama n'est pas là-haut. Oh, alors où est-elle allée? Hey, Adama. Dedans! Dedans! Je dis dedans! Je dis de retourner à l'intérieur. Retourne à l'intérieur. Mais maman... Maman, mais pourquoi? N'est-ce pas évident qu'on ne veut pas que vous épousez notre fille? Hein? Écoute, nous avons donné notre bénédiction à votre frère, Opina. Mais maman, ce n'est pas juste. Hein? Elle m'aime beaucoup et je l'aime aussi beaucoup. Ce n'est pas juste. Prince, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Oh, ne venez plus la chercher. Oh, elle n'est plus sur le marché. Juste partez et ne revenez plus, s'il vous plaît. Hein? Bye. Bye bye. Mais maman... Nan, bye. Adama m'aime et je l'aime. Tu n'es même pas un prince couronné. En plus de ça, tu n'as rien. Bien. Adama. Adama. Udo. Mon prince. Ouais, peux-tu m'aider à laver cette voiture là-bas? J'aimerais sortir avec, d'accord, s'il te plaît. Ok, dépêche-toi. Allons-y. Allez, démarre. On y va. Désolé, mon prince. Prosikina m'a chargé de laver cette voiture. Je crois qu'il va l'amener. Tu es malade? Non, as-tu perdu ta tête? Non, mon prince. Comment oses-tu me parler de la sorte? Ça va pas là? À genoux, à genoux! Quelle bêtise! Tu veux m'empêcher d'utiliser ma voiture, c'est ça? L'héritier du trône! Tu dois avoir perdu les boules. Qu'est-ce qui t'arrive? Si jamais ça se répète, non seulement tu vas... Que se passe-t-il ici? Udo, pourquoi es-tu à genoux? Je lui ai demandé de s'agenouiller. Comment peux-tu mettre un gaillard à genoux? Attends. T'as dit à cet imbécile de m'empêcher d'entrer dans ma voiture, c'est ça? As-tu fait ça? Rectification, ça c'est la voiture de papa et j'ai le droit de l'utiliser comme ça me chante. Ikena, tu dois être cinglé. Évidemment que c'est toi qui es stupide. Lève-toi, Udo. Mais qu'est-ce qui n'est pas rond avec toi? Hein? Tu fais plus que tu ne peux encaisser, Ikena. Où crois-tu aller comme ça? Où crois-tu aller? Ikena. Ikena. Te rends-tu compte que je suis l'héritier du trône? S'il te plaît, tu n'as que le trône dans la bouche. Qu'est-ce que ça a à voir avec le trône? Que se passe-t-il exactement ici? Maman, j'ai demandé à Udo de laver cette voiture pour que je puisse l'utiliser. Mais quand je suis sorti, j'ai trouvé Opina. Est-ce que tu sais que je suis l'unique héritier du trône? S'il te plaît, trône. Ikena, j'ai dit de la fermer. Mais maman... La ferme. Qui a les clés de cette voiture? J'ai les clés de la voiture. Donne-les-moi. Mais maman... Obina, peux-tu utiliser une autre voiture, s'il te plaît? Oui. D'accord. Je... Maman... La ferme. Attends, je... Maman... Mais maman, pourquoi est-ce que... Maman! Personne ne sera capable de me prendre Adama. Je me demande ce qu'il a fait pour gagner le soutien de ses parents. Tout ce que je sais, c'est que je dois épouser cette fille.
C'est obligé. Odo. Mon frère. Tu as une de ces têtes. Tu penses encore à ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu étais là, tu as vu. Juste parce que nous sommes des gardes de palais. Odo, j'ai vu ce qui s'est passé. Ces deux frères ont des différends et ils veulent t'utiliser pour régler leur compte. Ah. Allez, ne le prends pas au sérieux. Hein? Allez, viens, lève-toi. Tu sais que je n'ai qu'un simple garde de palais, allez debout. Et toi, qu'est-ce que tu es? Nous sommes tous les deux des gardes de palais, allez debout, viens. Qu'est-ce que tu es? Hey. Allez, oublie ça. Va là-bas, va voir ce qui se passe. Allez, vas-y. Adama! Mama! Né, Biao. Mama. Voici 4000 naira. Va au marché. M'acheter du poisson fumé, du poisson séché et des légumes. Je veux préparer une sauce aux légumes à ton père. C'est ce qu'il veut manger. Ok, mama. Je vais chercher un sac. Ok. Biko, nem. Vito, vite. Dépêche-toi, car tu sais qu'il va bientôt rentrer. Qu'on ne te trompe pas, oh. Oui, mama. Oh, ça, oh. Oui, mama. Adama. Adama. Mon prince. Comment tu vas, mon amour? Je vais très bien. J'étais beaucoup attendue à notre lieu habituel. Mon prince, ma mère m'a enfermé depuis hier. Quoi? Pourquoi est-elle si dure envers nous? Elle veut que j'épouse ton frère. Parce qu'il est le prince couronné. Mais ce n'est pas juste. Écoute, Adama, je ne vais pas baisser les bras, d'accord? Ok? Nous devons simplement trouver un moyen de la convaincre que nous nous aimons beaucoup. Ensuite, ils vont nous bénir. Alors, où allais-tu comme ça? Je vais au marché. Je vais acheter des trucs pour ma mère. Oh, d'accord. Dans ce cas, je vais t'accompagner. Je n'ai pas garé loin de la route.
N'étais-je pas dit de rester loin d'elle? Hein? Obina, Adama est ma copine. Il n'y a rien que tu puisses faire pour ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça ici, s'il vous plaît. Hein? C'est un lieu public et les gens commencent à nous regarder. Écoute, Adama, tu viens avec moi tout de suite. Viens là. Tu ne vas nulle part, Adama. Et Kenna Tessengle, tu vas lâcher sa main tout de suite. On y va. Partir. Elle n'ira nulle part. Lâche-la. Arrêtez, on y va, Adama. Tous les deux. Vous me faites du mal. Bébé, je suis désolé. Tu vois ce que tu as fait. Tu vois ce que... Mon prince, mon prince. Attends, lâche-moi, mon toi. Prince. Je recommence, tu en vas encore. Adama, Ogini. Oh, Adama. 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 Ogini. Adama. Adama, Ogini. Amaka. Hé, hé, toi, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Papa. Qui est après vous? Amaro, je ne sais pas. Comment peux-tu dire que tu ne sais pas alors que tu es en train de courir? J'ai vu Adama qui est en train de courir. Alors j'ai décidé de la suivre pour savoir ce qui ne va pas. Mais elle ne s'est pas arrêtée, elle n'a même pas voulu m'écouter. C'est pourquoi je suis en train de la suivre. Je veux juste savoir ce qui lui arrive. Tu entends ça? Vous n'allez pas nous tuer, les enfants. Tu l'as vu en train de courir. Ça veut dire en fait qu'il n'y a absolument rien derrière vous. Hein? Naïs, s'il te plaît, allons voir. Faites attention. Allons voir ce qui... Allons voir. Ce qui se passe. Hey. Allez voir, Adama. Hey, vous avez beaucoup couru. C'est pas vrai. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oh, Adam. Oh, Guini. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures? Et qui te poursuit? Adama, parle-moi, non? Je suis ta mère. Oh, Guini. Maman, je suis confuse. Maman, je suis confuse, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ce sont les princes. Ils me sont retués à cause de moi. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais au marché acheter ce que tu m'as demandé. Et j'ai rencontré Prince Ikeda au carrefour. Il a proposé de me déposer au marché. Ensuite, le prince Obina est sorti de nulle part. Et a prévenu Prince Ikeda de rester loin de moi. Il a tenté de m'amener avec lui, mais Prince Ikeda l'en a empêché. Maman, j'ai essayé de les calmer. J'ai essayé. Mais ils se sont mis à se battre. Maman, j'étais tellement embarrassée que j'ai dû rentrer à la maison. Je ne sais pas. J'en ai juste marre de tout ça. Tu vois ce que je te disais? Je t'ai demandé d'accepter la demande du prince Obina et de t'éloigner du prince Ikeda. Ça va. Mais maman, tu sais que j'aime le prince Ikeda. Regarde, Adama, je suis ta mère. Je ne vais jamais te décevoir. Hein? Prince Obina est le prince couronné et l'héritier du trône. Il n'acceptera jamais la défaite pour épouser son frère. Écoute, c'est d'accepter sa proposition et de t'épargner de tous ces problèmes qui te suivent. Après tout, le prince Ikeda a foutu en l'air ses chances. Lorsqu'il t'a caché ses sentiments, dès le départ. Hein? Adama, écoute ta mère. Elle a raison. Arrête de pleurer. Ça va. Je suis confuse. Tu es confuse? Hein? Regarde maintenant. Si tu avais gentiment suivi le prince Obina, ceci ne serait pas arrivé. Hein? Voilà maintenant que tu n'as pas acheté ce que je t'ai demandé d'acheter. Maintenant qu'allons-nous manger aujourd'hui? Hein? Que vais-je préparer à ton père? Maman, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Oh, j'ai peur. Je ne veux plus aller nulle part. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais aller au marché acheter ce dont tu as besoin. C'est vrai? Ma fille, merci. Arrête. Écoute, Adama. Dis au prince Ikeda de rester loin de toi. Henania, Nimengo. Donne mon argent. Nembiko, Bosso.
avant que je ne prépare. Oh non. Ah! Chief Nedou! Oh non! Tu tombes bien! Puis-je t'apporter un verre? Oh non! Ce n'est pas le moment de manger ni de boire. Il y a le feu sur la montagne. Où ça? Oh non! Les deux princes de ce royaume se battent à la place du marché à cause d'une femme. Ça, c'est incroyable! Oh non! Tu ferais mieux de le croire. Ils ont failli s'étriper! J'ai vu ça de mes propres yeux. Je t'ai prévenu depuis. Depuis très longtemps, mais tu ne m'as pas écouté. Ces deux garçons, ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas capables de diriger ce royaume. C'est le moment idéal pour toi, Onohu, de disqualifier ces deux garçons et me couronner comme le prochain roi. Notre coutume demande qu'à la mort du roi, un mois après son enterrement, le prince héritier est couronné avec sa femme. Mais s'il n'a pas de femme et que son frère cadet en a une, alors le frère cadet le remplace et est couronné. Mais si tous les deux n'ont pas d'épouse, alors ils sont disqualifiés et le trône ira vers une autre famille. Je veux parler d'une famille digne. C'est ça notre tradition. Elle ne peut pas du tout changer pour le moment. Et cela ne fait même pas encore un mois que nous avons enterré le roi. Notre tradition est très sacrée. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça. Oh non, malgré tout ce qui se passe, bien que ces garçons se battent à la place du marché, oh non, veux-tu que c'est un voyant qui te dise que ces garçons ne sont pas capables? Oh non, je te pose la question. Hein? Malgré toute cette honte... Chief Nedou, laisse les dieux en décider. Nous allons au palais éteindre le feu brûlant. Je vais m'habiller. Habille-toi et allons-y. Allons-y. Ah. Mais qu'est-ce qui arrive à Onohu? Malgré tout ce qui se passe, il hésite toujours à sanctionner ces garçons, hein? Tu peux le croire? On essayait juste de les empêcher de se battre en public. Ils se sont mis à nous frapper. Mon frère, lorsque deux éléphants se battent, ce sont les gardiens qui en souffrent. J'ai tellement mal au dos. Oh mon Dieu. C'est une grosse honte pour le royaume de Mouma et pour le trône de leur feu père. Ils ont presque renversé Adama par terre, la tirant de gauche à droite. J'en ai marre de ces bagarres chaque jour. Pareil pour moi, mon frère, j'en ai marre. Allez, on y va. Inexplicable. Pour battre tous les deux sur la place du marché, en plein milieu du marché, devant une femme, sachant qui vous êtes. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Voulez-vous foutre la honte à ce royaume? Voulez-vous que nos ennemis se moquent de nous? Mes confrères, je l'ai déjà dit, et je continuerai de le dire. Ces deux garçons ne sont pas qualifiés à gouverner ce royaume. Tu dois les disqualifier, Onohu. Tais-toi, si tu n'as rien de bon à dire pour résoudre ce problème. Merci, Onohu. Mais j'ai une suggestion importante à proposer. Je pense qu'il serait important de les écouter tous les deux pour savoir exactement quel est le problème. Tu as raison. Prince Obina, dites-nous ce qui a causé cette bagarre. Tout a commencé lorsqu'Ikena a amené une jolie fille au palais. Et je lui ai demandé, mes chers aînés, Onohu, prenez note.
je lui ai demandé si elle était dans une sorte de relation avec mon frère. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit non. Et puis je lui ai demandé sa main immédiatement. Elle était sur le point de dire oui. Lorsqu'Ikena a débarqué comme un chien enragé et a commencé à m'insulter, pris de jalousie et pris d'envie, Ikena, mon frère, a commencé à m'insulter. J'aimerais vous poser une question. Est-ce un crime d'épouser l'ami de ton frère? Oh non, avec tout votre respect, c'est un mensonge. D'accord. Alors dis-nous ce qui s'est passé. J'ai rencontré cette jolie demoiselle et ça a été le coup de foudre. Mais en tant qu'un homme, je prenais mon temps pour lui avouer mes sentiments. Et lorsque j'ai été certain, je l'ai invité au palais. Mais lorsque je suis descendu, j'ai vu mon frère lui demander sa main. Ils ne se connaissent même pas. Quelqu'un que j'ai ramené à la maison. J'ai pas été occupé à faire l'idiot. Au lieu d'aller droit au but, t'étais occupé à faire l'idiot. Moi, je suis allé droit au but. C'est vraiment très idiot de faire ça. Ikena, tu oses traiter l'héritier du trône du royaume de Moma stupide? As-tu perdu toutes tes sens? Bien sûr que t'es un idiot. Ikena, taisez-vous tous les deux. Comment osez-vous vous tenir devant le trône d'Amoma et vous quereller tous les deux? Onowu, chers aînés, je vous prie de les excuser. Mais je pense qu'il y a un moyen de régler tout ça. Lequel? Je suggère qu'on invite cette femme. Qu'elle nous dise avec qui elle veut passer le reste de sa vie pour mettre un terme à cette guerre. Peux-tu la faire venir demain? Oui, Onowu, je peux la mener. Obina, rappelez-vous qu'il vous reste seulement 2 semaines. 2 semaines, j'ai dit. Pour amener votre épouse. Pas un jour de plus. Ça serait une grosse honte si la royauté quittait ce palais pour aller ailleurs. Le défunt roi doit certainement couler les larmes face à l'attitude de ses enfants. Et le pire dans toute cette histoire, c'est qu'ils passent plus de temps à se battre au lieu de protéger l'héritage de leur père. Est-ce que les aînés sont partis? Oui, ils viennent de partir. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'y opposent? Ils devraient laisser Prince Ikena et Adama se marier, vu que leur amour est sincère. Alors, le prince Obina risquerait de perdre le clone. Souviens-toi qu'il ne lui reste plus assez de temps. Il lui reste 2 semaines pour aller. Mais le problème dans cette histoire, c'est Tifnido. Il pourrait devenir le futur roi de ce village si Prince Ikena et Prince Obina sont disqualifiés. C'est tout mais méchant. Je t'assure. Qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Pourquoi vous battez-vous constamment? C'est quoi cette honte? Pourquoi ce déshonneur? Je peux voir que vous avez perdu les bonnes manières. Maman, dis à la ferme. Je ne veux pas entendre un mot venant de toi. Regardez-vous. Donc vous avez décidé de détruire la réputation de votre père? Vous avez décidé de foutre la honte à cette famille, de détruire cette famille. Donc vous avez décidé de détruire le trône pour lequel votre père s'est tué corps et âme pour maintenir dans cette famille. Pas question, je ne resterai pas les bras croisés vous voir détruire le trône pour lequel mon mari a travaillé si dur pour retenir dans cette famille. Vous ne réussirez pas. Et pour votre information, personne ne quittera ce palais. Jusqu'à ce que cette honte, ce spectacle ne soit résolu, personne, y compris vous deux, personne ne quitte ce palais. Vous deux me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Maman, attends. Écoutez-moi, personne ne sort de ce palais. Et quand je dis personne, cela inclut mes fils. Fermez ce portail et tenez les clés, je ne veux pas entendre d'histoire. D'accord, d'accord, votre majesté.
Bébé, pourquoi ton ami et son frère n'arrêtent pas de se donner un spectacle dans cette communauté? Ils commencent vraiment à nuire à cette communauté. Fais gaffe à ce que tu dis. Il s'agit là de mon meilleur ami. Je sais que c'est ton ami, Mia. Tu devrais lui demander d'arrêter cette folie. Est-elle la seule femme de ce village? Il l'a vu le premier. Et puis quoi? Il doit apprendre à lâcher prise au nom de la famille. Tu sais quoi? S'il te plaît, changeons de sujet. Hein? Je dis juste qu'il doit faire ce qu'il faut, c'est-à-dire laisser cette fille à son frère aîné qui est le prince couronné. C'est tout ce que je dis. Bébé, j'ai dit qu'on change de sujet. J'ai compris, non. Je donnais juste mon avis. Ça va, pas de soucis. D'accord. Tu m'as dit de changer de sujet. Madame. Tu as dit qu'on changeait de sujet, bien. Non? Oui, changeons de sujet. Oh! Et vous? Hey! Hey, ma reine! Longue vie à vous. Merci, maman. Hey! Vous êtes la bienvenue. Merci. Donne-lui une chaise, allez. Non. Naï. Naï, s'il vous plaît, je voudrais... En fait, je suis venue voir votre fille. Oh, Adama. Oui. J'espère que tout va bien. J'aimerais avoir un mot avec elle. Laissez-moi l'appeler pour vous. Merci. Adama! Adama! Mama! Biao, Biko! Longue vie à toi, ma reine. Tu es bénie, ma fille. Mazi, oui. Puis-je avoir un mot avec elle dans ma voiture? Oui, c'est bien okay. Sûr. Allez-y. C'est okay. Allez-y. Ma fille. Oui, ma reine. J'ai besoin de ton aide. Tu sais que mes deux fils sont en froid à cause de toi. Je suis désolée, ma reine. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas causer des problèmes dans votre famille. Ça me fait tellement mal de les voir se battre. Je suis vraiment désolée. Je sais, mais j'aimerais vraiment que tu m'aides. En tant que mère, ça me fait mal de voir mes enfants se déchirer. Je suis venue t'inviter. Le conseil des aînés a insisté pour que je t'amène au palais. Afin que tu choisisses parmi mes deux fils qui tu souhaites épouser. Afin de mettre un terme à cette bataille entre eux. S'il te plaît, fais-moi cette faveur. Ok, ma reine. J'y serai demain. En es-tu sûre? Oui, ma reine. Merci beaucoup. Ok. Je pense que je devrais venir au village plus souvent. Tu dois venir au village plus souvent, parce que tu as un projet, n'est-ce pas? Non, je viendrai à cause de ton repas. D'accord. Je suis inquiète. Ah, maman, quoi encore? Je suis vraiment très inquiète. Pour ton ami Ikena et de son frère. Cette tendance de se battre encore et encore. De quoi s'agit-il au juste? Hein? Sais-tu que ces bagarres fait parler les gens? Fait parler les gens dans tout le village. Est-ce qu'ils le savent? Alors, pourquoi ne peuvent-ils pas arrêter? Je veux dire, si l'un d'entre eux parvient à tuer l'autre, que se passera-t-il? Que tu m'en gardes, maman. Aucun d'eux ne mourra. Aucun d'eux ne mourra. Je ne prie pas que l'un d'eux meure. Ils doivent arrêter cette guerre avant de se mettre à accuser le diable. Parce que dans notre cas, ils disent toujours « Equezo », qui veut dire « Si tu le permets, le diable le fera ». Nous devons faire le diable marcher à notre manière. Si on ne le fait pas, il le fera. Alors, s'il te plaît, dis à ton ami de laisser tomber cette fille, Piccolo. Maman, il a vu cette fille le premier, je te l'ai déjà dit. Mais tu le sais, maman. Je sais. Il l'a vu en premier, je sais. Il n'est pas le prince couronné de son royaume, je me trompe. Hein? Et notre tradition dit que le prince couronné a le droit d'épouser la femme de son choix. De ce royaume, il a le droit d'épouser n'importe qui, n'importe quelle femme, si il le veut. Maman, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, maman. La fille en question, elle est Mikena. Je sais. Je sais qu'elle l'aime.
Mais je dis que ton ami au moins devrait lâcher l'affaire. Au nom de son père et du trône. Écoute-moi, les gens se posent des questions. Ils se posent des questions. Et si on ne fait pas attention, les villageois pourront les chasser de ce royaume. Oui. Et ils pourront couronner chef des deux prochain roi. Quoi? Pas de quoi qu'ils tiennent. Hein? Oui. Les gens commencent à dire que tes amis sont irresponsables. Qu'ils sont incapables de gérer les affaires de son royaume. Leur père avait une bonne réputation. Cependant, ce trône leur filera entre les doigts s'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils ne font pas attention, ce trône leur filera entre les doigts. Il faut le lui dire. Peux-tu le faire? Ou veux-tu que je le fasse moi-même? Non. Je lui parlerai. C'est vrai. Je lui parlerai. D'accord. Vas-y, mange. Hey! Adam! Maman! Qu'est-ce qu'elle te demandait? Elle a dit que les chefs veulent que je vienne au palais demain. Pour clarifier ce problème et aussi choisir avec qui je veux être. Alors, qui vas-tu choisir? Maman, arrête de poser des questions auxquelles tu as déjà des réponses. Je serai à l'intérieur. Hey! Mais cette fille ira choisir Prince Ikenao. Hein? Cette fille ira choisir le Prince Ikena. Après, nous allons tout perdre. Hey, Mbao! Mon rêve d'être la mère de la reine mère du royaume d'Amouma va disparaître juste comme ça. Non. Ne dites pas ces choses-là. Ne réfléchis surtout pas de cette manière, car c'est impossible. Laisse-moi te dire. Je reste et je demeure le père de la future reine de ce royaume. Hein? C'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. Alors il en sera ainsi. Ne lâche pas encore. Oui. Naï, tu dois faire quelque chose. Ne t'en fais pas, je sais quoi faire. Je ne vais pas perdre ma meuf à cause d'une certaine tradition. En fait, j'en ai terminé avec cette saloperie de culture et tradition. Qui est-ce qui parle de la tradition? Je parle du clone. Ou alors tu veux qu'il soit enlevé de ta famille juste comme ça? Penses-tu que ton père te le pardonnera? Si le clone venait à quitter votre famille? Pourquoi moi? Et qu'en est-il d'Obina? Ne serait-il pas responsable si le trône quittait notre famille? Non! C'est toi qui es à blâmer, parce que ton frère est le prince couronné. Il a choisi sa femme, mais tu as refusé. Et cela coûtera le clone à votre famille. Et cela ancrera dans l'histoire. Tu sais quoi? Je m'en bats les couilles. Ikena, s'il te plaît, laisse-la s'en aller. Tu tomberas amoureux de quelqu'un d'autre. On devra passer sur mon cadavre, Nonso. Passer d'abord sur mon cadavre. Adama est à moi, et il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es censé être de mon côté. Mais je suis de ton côté. Alors pourquoi raisonnes-tu comme tous ces idiots? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Je ne te comprends pas. Ikena! La vérité est que j'ai rencontré Prince Ikena en premier. Mais il ne m'a pas parlé des sentiments qu'il avait à mon égard. Alors, il m'a invité au palais. Et c'est là que j'ai rencontré Prince Obina. Prince Obina m'a demandé d'être sa reine. Mais cela n'a pas plu au Prince Ikena. La vérité, c'est que les deux me plaisent. Ils sont attentionnés, merveilleux et beaux. Mais j'aime plus Prince Ikena. Et je veux être avec Prince Ikena. Merci de me rendre justice, Seigneur. Enfin, Adama est à moi. Hey! Mes aînés, Onoru, ma reine. Mon prince, s'il vous plaît, je suis vraiment désolé de débarquer chez vous comme ça. Veuillez me le pardonner. Mais je suis juste venu faire certaines clarifications. Et cette clarification est que nous avons une tradition bien élaborée dans ce royaume. Si jamais un prétendant se présente et que les parents accordent
véritablement leur bénédiction. Ma femme et moi avons donné notre bénédiction à Obina que voici. Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris. Mazunduka, je vous salue. Merci beaucoup. Mes aînés, je suis le prince héritier du royaume d'Amuma et j'ai le droit de choisir n'importe quelle femme dans ce royaume pour être ma reine. Si seulement ses parents donnent leur accord. C'est ça. Et c'est ce qu'a fait Mazunduka. Merci Mazunduka. Merci mon gendre. Prince Obina, si Mazunduka et son épouse vous ont donné leur bénédiction à vous et à Adama, vous êtes libre de l'épouser. Prince Ikenna, vous devez arrêter de voir Adama. Non, Onowu, c'est une folie. Mais c'est quel genre de stupide tradition? Hé, Junos, contrôlez votre langage. Non, pas question. Je ne le ferai pas. Cette tradition ne tient pas compte des sentiments. Ikenna, arrête. Ne vois-tu pas que tu es en présence des aînés? Mais maman, je me fiche de qui ils sont. Voyons, ferme-la. Je ne vais pas abandonner, maman. Pas cette fois. Je me fiche de ce Onowu et je me fiche de son père. Cette tradition est une bêtise. Cette fille m'a choisi et je dois l'épouser, c'est tout. Hey, fais surtout attention à ne pas coller ton sale corps sur moi. Rebelle. Mazi, s'il vous plaît. Hey, non, ne m'appelez pas. Que faisons-nous exactement dans ce royaume? Qui parmi nous écouterait ça et donnerait quand même sa fille en mariage à celui-ci? On devra me passer sur le corps. Oui. Qu'allons-nous faire? Honnêtement, je ne sais pas, je suis juste confus. Tu sais quoi? Je pense que je sais ce qu'on va faire. Vraiment? Oui. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Adama, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Ok. Alors viens avec moi à Londres. Oui, on ira à Lagos demain et on fera tes papiers et ensuite on voyagera ensemble. Après quelques années, on se marie et on revient. D'ici là, mon frère aura trouvé une autre femme. Allez, viens avec moi. C'est une folie. Je sais très bien que c'est insensé, mais ne dis pas non, s'il te plaît. Je t'en supplie. J'irai n'importe où avec toi, mon ami. C'est bien ça. Merci. Merci. Qui est-ce? C'est ta mère. Ok, donne-moi une minute, j'arrive. J'arrive. Ikenna. Ikenna. Tu peux entrer, maman. Salut, maman. Bonsoir. Ikenna, j'aimerais qu'on discute. Maman, s'il s'agit d'Obina, je ne suis pas intéressé. Je ne veux rien savoir. Mais Obina est toujours ton frère. Et c'est pourquoi il veut voler ma copine. Ikenna, s'il te plaît, si jamais tu as aimé ton père, si tu aimes cette famille, si tu portes cette famille dans ton cœur, peux-tu, s'il te plaît, laisser ton frère épouser cette fille? Ça, jamais. Maman, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Laisse-moi m'agenouiller pour toi, mon fils. Qu'est-ce que tu fais, maman? Non. Ikenna, lève-toi. Je veux m'agenouiller arrête, pour toi. S'il te plaît. Maman, lève-toi, Ikenna, s'il te pour plaît. La paix dans cette famille. Lève-toi, je ne lèverai lève-toi, pas jusqu'à ce que tu le laisses épouser cette Mais voyons, fille, maman. Mon amour, écoute, j'ai fini de faire mon sac et j'ai hâte que la nuit tombe pour qu'on puisse quitter ce royaume. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On ne pourra plus partir. Pourquoi? Parce que je veux que tu épouses mon frère.
Tu veux que j'épouse ton frère? Comment peux-tu dire ça? Tu sais que je suis amoureuse de toi. Je sais, mais je veux vraiment que tu l'épouses. J'en serais ravie. J'aurais dû savoir que tu n'es qu'un lâche. Alors tu veux nous dire adieu parce que tu es faible? Je ne suis pas faible. Alors prouve-le. Je n'ai rien à te prouver. Bien sûr que tu n'as rien à prouver. Parce que tu n'es qu'un lâche. Arrête ça, ok? Tu penses que c'est facile pour moi? Sais-tu à quel point ça me blesse de te laisser partir? Je dois faire ce qu'il faut. Et tu penses que la meilleure chose pour toi à faire, c'est de me laisser partir? Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Ma mère s'est presque mise à genoux à mes pieds me suppliant à ce sujet. Elle a failli avoir un AVC et le trône de mon père est menacé. Il ne s'agit pas juste de moi, je dois te laisser partir. Je suis désolé. Je suis désolée de t'avoir traité de lâche. C'est bon. Je suis désolée. Ok. C'est bon, ok. Épouse mon frère et puis... donne-lui tout l'amour que tu m'aurais donné, d'accord? Il t'aime vraiment et je sais qu'il fera un très bon mari. Et c'est juste... épouse-le, ok? Désolée. Prince Obina. Mazenduka. Eh oh. Maman. Vous deux. Salut, maman. Prince Ikena, tu es le bienvenu. Hein? Mm-hmm. Non, non. Oh, nous sommes là. Non, 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 maman, il n'y a pas de problème. Assieds-toi. Pas de problème. Assieds-toi. C'est bon. Allez, rejoignez-nous. Non, 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 merci. C'est vraiment très bon. Vous savez, ma femme est un véritable cordon bleu. Hein? Nous sommes là pour voir Adama. Hein? J'espère qu'on est en sécurité. Oui, tout va bien. Tout va bien, monsieur. Adama! Adama! Maman? Nebia! Ah, mon amour. Elle est vraiment magnifique. Quoi qu'il en soit, Adama, je suis là pour te donner officiellement à ton mari. Hein? Oui. Et j'espère vraiment que tout marchera à merveille pour vous. Le truc, c'est que mon frère t'aime vraiment beaucoup. Et je ne l'ai jamais vu se battre pour quoi que ce soit dans la vie. Hormis la nourriture, bien sûr. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hey. Je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans toute cette pression. J'avais peur de te perdre et ne jamais trouver une meilleure remplaçante. Mais... oh. Je t'aime vraiment, Adama. Ada, veux-tu m'épouser? Hein? Tu as entendu ça? Allez, dis oui. Oui. Hé, hey, mignon, t'arrête! Enfin! Luca, tu y es parvenu. Oh mon Dieu, enfin! Enfin! Ouais, c'est beau, c'est beau. Merci, mon Dieu. D'accord, mon frère. J'ai compris ce que tu as dit. D'accord, mon frère. Je suis fier de toi. C'est bon. Ça fait mal. Genre, vraiment. Mais je devais faire ce qui est juste. Je le sais, frère. Ton père serait tellement fier de toi. Et je peux t'assurer que tu trouveras une autre femme. Plus belle et aimante qu'Adama. Crois-moi. Si tu le dis. Mec, je suis sûr. Ok, partons d'ici. Ouais, allons de ce côté. Thank you.
par le pouvoir qui m'a été conféré en tant que l'honneur de ce puissant royaume, Prince Opina, je vous couronne comme Igwe de ce grand royaume d'Amoma. Igwe. Ma reine. Igwe. Cha-cha-cha, Amoma Kwenu. Ya. Rienu. Ya. Rienu. Ya. Kwesu Enu. Igwe. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.